Bon, mais bon, de toute façon, l'affaire a si bien résumé la situation. Bon, je vais essayer quand même de parler arabe. Hein, pour, hein. Donc, l'élément le mohim, c'est l'ittihad. Parce que nous, quoi qu'il arrive dans le football, qu'est-ce que c'est? Il y a un travail. Et le travail, il ne se fait pas tout seul. Si on n'est pas uni, nous sommes considérés l'ittihad, nous sommes considérés muttafaq alayh. Un exemple, nous, on dit, on est là pour un projet. Un projet, les seniors, la formation, l'identité du club, tout ça, c'est des éléments qui sont très importants. Nous, quand tout le monde dit, là, on a besoin des seniors. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on va faire des jeunes? C'est l'identité. Vous allez dans n'importe quel projet, l'élément le plus important, SS, voit les valeurs, l'identité. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Ok? Aujourd'hui, l'équipe nationale d'Algérie, en 1990, elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on le veuille ou non, l'équipe nationale d'Algérie a gagné la Coupe Nation, la Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire retient ça. Ok? Le MOB a gagné la Coupe d'Algérie. Etc, etc, etc. On ne va pas en arrêter là. Simplement, aujourd'hui, je pense que, depuis que je suis revenu en Algérie, depuis 2 ans, j'arrête pas de le dire. Au niveau des qualités intrinsèques, le joueur algérien, et je parle bien du jeune joueur algérien, c'est un des meilleurs au monde. Et pourquoi pas, j'irai même peut-être que j'exagère, et je vais dire c'est... Zidane, c'est un Algérien, qu'on le veuille ou non. Simplement, il a été formé avec des moyens et avec une certaine connaissance théorique et scientifique du football. Et pourquoi pas? On ne peut pas le faire ici. On peut le faire. L'histoire du football algérien, on a eu des grands joueurs en Algérie. Les Makhloufi, les Madjer, les Belloumé, les Masqal, les Assad. Les... On peut le faire. Et pourquoi pas dans la région ici? Je suis très séduit par ce que je vois dans les tribunes, par exemple. Quand je vois, par exemple, les supporters du MOB, c'est impressionnant. La galerie des Mekaïn, elle mérite d'avoir vraiment un club avec, qui véhicule une identité, qui véhicule... Mais il ne faut pas regarder que les seniors, ça commence par le bas aussi. Donc nous, on est là pour tout un projet. Pas seulement pour, comme l'a dit Nasser, j'ai été sollicité par 4 ou 5 clubs, mais le discours n'était pas séduisant. Mais le discours de Nasser m'a séduit. Et quand je me suis rapproché du président, ben, il est parti dans le même sens. Donc je suis là aujourd'hui et je suis prêt à m'engager. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se fait ailleurs. Il ne faut pas voir seulement où vous en êtes.